Beau matin à toutes et tous, on se retrouve pour la guidance temporelle, n'est-ce pas, de ce jeudi 19 septembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Petite pensée positive pour ce matin, pour ce 19 septembre, réfléchir. Il ne suffit pas d'agir, il faut savoir aussi se poser, réfléchir, faire le bilan et tirer les leçons de nos actes. Belle pensée, n'est-ce pas? Aujourd'hui, j'ai pigé le berger de la nuit. Si vous pensez que vous êtes seul, retirez ça de votre tête. Le berger de la nuit apporte sa guidance dans les moments difficiles. Comme un berger bienveillant, il veille sur vous et vous accompagne à travers les épreuves de la vie. Il vous rappelle que même dans les périodes les plus sombres, vous n'êtes jamais seul. Vous vivez peut-être, pour certains d'entre vous, une période qui est très difficile. Ne désespérez pas, vous n'êtes pas seul. Vous pouvez demander conseil à vos anges, vous pouvez demander à notre Créateur de vous aider, demander aux archanges de vous aider, ou demander encore, si vous avez quelqu'un là-haut, qu'il vous aide à voir plus clair. La présence du berger de la nuit indique que vous êtes dans une période de transition, dans une période de ténèbres ou de difficultés, n'est-ce pas? Et cependant, il symbolise également la présence protectrice qui veille sur vous pendant cette période. L'interprétation du berger de la nuit, aujourd'hui, suggère que malgré les défis que vous traversez, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas seul. Non, vous n'êtes pas seul. Vous êtes peut-être dans cette difficulté tellement profonde que vous ne croyez plus, que vous êtes désemparé, dans l'impression que c'est une route sans issue. Mais croyez-moi, demandez à votre ange gardien de vous aider, de vous faire un signe, de venir en rêve, de vous montrer en rêve ce que vous pouvez mettre en place pour remédier à cette problématique que vous êtes en train de vivre. Avez-vous posé votre question ? Sinon, je vous laisse quelques instants. La réponse à votre question, elle est oui. Malgré les difficultés qui peuvent se présenter, il existe une voie à suivre afin de surmonter les obstacles. Donc, oui, c'est positif, mais vous devez changer de voie. Vous n'avez pas pris la bonne voie. Donc, cette voie que vous avez prise, c'est une voie sans issue. Donc, pour surmonter ces obstacles, vous devez changer de voie. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Ça ne sera peut-être pas comme vous l'espériez, comme vous le vouliez, mais ça sera autrement et vous y arriverez. Quelquefois, il faut faire des lâcher-prise, n'est-ce pas? Et se remettre en question dans les moments de doute, dans les moments d'obscurité. Et pourquoi vous ne vous accordez pas le temps
de vous connecter avec votre être intérieur et d'écouter, eh bien, les messages subtils qui vous sont envoyés. C'est peut-être parce que vous êtes tellement submergé par cette problématique que vous ne voyez plus rien. Vous savez, ces périodes de transition, eh bien, elles peuvent être des opportunités précieuses pour que vous puissiez explorer vos propres profondeurs et découvrir, eh bien, des aspects de vous-même que vous n'avez pas encore explorés. Voilà la guidance de ce beau berger de la nuit. On termine par le message des anges gardiens. Et aujourd'hui, prière. Faites cette prière, dites cette prière. Je vais aller doucement pour la dire. Cher ange gardien, cette prière est pour toi. Quand je suis inquiet, aide-moi à me rappeler que seul l'amour est réel. Quand je suis perdu, aide-moi à retrouver mon chemin. Quand mes pensées sont confuses, aide-moi à les clarifier. Quand je me sens seule, aide-moi à sentir ta présence aimante. Quand je perçois le chaos, aide-moi à voir l'ordre. Merci. Et je rajouterai merci avec toute ma gratitude. Voyez, c'est vraiment quelle belle synchronicité avec le berger de la nuit, n'est-ce pas? Faites cette prière, croyez en vous. Il y a des solutions. Il y a des solutions. Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain avec un nouveau message, une nouvelle guidance. Et d'ici là, eh bien, je vous embrasse et portez-vous bien. À demain.